23 septembre. Par notre esprit, notre moi supérieur, nous sommes auprès de Dieu, en Dieu, et c'est par lui que nous pouvons dompter notre moi inférieur. En haut, nous sommes déjà libres et dans la lumière, mais il faut que nous le soyons aussi en bas. Ce que doivent être ces relations entre le haut et le bas, entre l'esprit et la matière, a été représenté par le symbole du serpent qui avale sa queue. La tête du serpent représente notre moi supérieur et sa queue notre moi inférieur. Par ce symbole, les initiés voulaient dire « Vous êtes en Dieu, dans la lumière, en même temps que vous êtes en dehors de lui, dans l'obscurité. » Mais tête et queue appartiennent à la même créature, le serpent. Elles ne sont donc pas séparées. Et puisque le serpent avale sa queue, cela signifie que notre esprit, notre nature supérieure, fait un travail sur notre matière, notre nature inférieure. Il cherche à avoir prise sur notre matière afin qu'il n'y ait plus en nous d'opposition entre les deux.